moment. Il faut vraiment être sur ce moment entre les mains du Seigneur pour dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons gloire pour ce moment car tu es saint, digne de louange. Seigneur, devant ton trône, Seigneur Jésus, nous venons avec notre cœur pour te dire, Seigneur, combien tu nous aimes et combien tu es grand. Seigneur, merci de manifester ta bonté, ta miséricorde et ton esprit au milieu de nous. Seigneur, brise nos cœurs, brise l'orgueil en nous, brise, éternel, les mauvaises choses, soient consumées. Seigneur, dépouille-nous de toute mauvaise œuvre et remplis-nous de ton esprit et de sources d'eau vive en nous. Remplis-nous, Seigneur Jésus, de sources d'eau vive. Que cette source d'eau vive coule, Seigneur Jésus, depuis ton trône jusqu'à nos cœurs, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Nous te rendons gloire et nous te disons merci pour ce moment, car tu es saint, digne de louange. Je prie que tu envoies des myriades d'anges tout autour de nous et tu nous conduis toi-même par ta gloire et ta puissance et que ton règne vienne au milieu de nous. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit brisé et consumé au nom de Jésus par ses œuvres. Seigneur, je prie que toute œuvre de l'ennemi, que l'ennemi a programmée, éternel Dieu de gloire, soit anéantie. Éternel, que leurs œuvres soient consumées et détruites au nom de Jésus. Que ton esprit saint de sainteté puisse nous protéger contre toute attaque de l'ennemi et renvoie, Seigneur, renverse leur forteresse de leur puissance des ténèbres au nom de Jésus. Et que ta lumière éclaire au milieu de nous, que ta lumière illumine les yeux de nos cœurs, que ta lumière, Seigneur Jésus, éclaire nos sentiers, et que ta parole, Seigneur Jésus, nous donne, nous fortifie et nous édifie au nom de Jésus en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, si tu peux acclamer le Seigneur, au nom de Jésus, si tu peux acclamer le Seigneur, au nom de Jésus, là où tu es, si tu peux acclamer le Seigneur. Alors, nous allons remettre la parole à la sœur Claudia qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Nous allons adorer notre Seigneur Jésus en esprit, en vérité. Et peu importe l'endroit où tu es, il faut vraiment donner ton cœur au Seigneur au travers de ces chansons de louange et d'adoration pour le glorifier. Parce qu'il est un Dieu saint et il veut que nous soyons aussi saints, que tout ce que nous allons faire puisse magnifier son nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur Emmanuel, reçois l'adoration.
Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Bravo, bravo, bravo à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire. Gloire car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sous, le roi des rois est souverain, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore adorer notre Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ce Alléluia. moment. Merci. Merci Seigneur. Merci Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Digne d'être adoré. Ah, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ah, il est digne d'être adoré. Alléluia, digne d'être adoré. Ah, oh, alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est digne d'acclamation, Alléluia, digne d'acclamation. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous poussons tous des cris de joie, Alléluia, nous poussons tous des cris de joie. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Éternel est roi, il est roi, il est roi, il est roi. Alléluia, Jésus est, Jésus-Christ est roi, il est roi, il est roi, il est roi. Alléluia, Jésus est, mon papa est roi, il est. Oh, il est roi, il est roi, Alléluia, Jésus est, Jésus-Christ est roi, il est roi, il est roi, Jésus-Christ est roi, il est roi, il est roi. Emmanuel est roi, oh il est roi, Alléluia, Jésus est mon sauveur et roi, il est, oh il est roi, il est roi, Alléluia, Jésus est mon papa et roi, il est roi. Il est roi, Jésus-Christ est roi, il est roi, il est roi. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Te bénissons, Seigneur. Yeah. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ce moment. Alors, si tu peux encore acclamer le Seigneur pour lui dire merci encore une fois, si tu peux encore dire merci à Dieu, pour le Seigneur, pour le Jésus. Bien-aimés, salutations à tous dans le nom de Jésus. Encore une fois, nous sommes et dans la présence du Seigneur pour partager sa parole afin que l'Église soit édifiée. Aujourd'hui, nous voyons dans l'Église qu'il y a des divisions parmi le corps du Christ. Et nous allons voir dans chaque État, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des Églises qui sont des Églises différentes. Et en réalité, ce ne sont pas des Églises, mais ce sont des dénominations. Appartiennent-ils vraiment à Dieu, à notre Dieu Tout-Puissant? Appartiennent-ils vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, ses églises? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et nous allons parler de beaucoup de choses plus profondes et afin que l'Église soit édifiée. Mais avant de commencer, je prie le Père au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je sais que j'ai rien à moi, mais je prie et je soumets ma bouche, mes mains, ma vie tout entière entre ta main, Seigneur. Je prie que tu m'utilises pour parler à tes enfants, afin que les âmes puissent éternellement se repentir, afin que ton esprit puisse toucher le cœur de ceux qui sont éloignés, ceux qui veulent tomber, et ceux qui éternellement se propulsent et entrent dans le séjour de mort, tu puisses les ramener, Seigneur. Je prie que, tenez, que ta parole soit un feu de rang afin de ramener, afin de dévorer toute puissance, toute entité qui tienne en captivité les âmes, Seigneur. Que rien ne t'empêche, Seigneur, de les délivrer, car tu as tout le pouvoir, tu as toute la gloire, le règne et la puissance au-dessus de toute puissance, Seigneur. Viens manifester ta gloire et dirige, Seigneur Jésus, conduis cette réunion
et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons parler sur quelque chose de très important aujourd'hui. Nous allons entrer dans le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 12 au verset 13. Amen. Ouais, frère Guy, si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. D'accord, merci mon frère. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. C'est bien ça, mon frère? Oui. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. OK. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Gloire à Dieu pour ce message dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Amen. Donc, on va s'arrêter ici, on va parler sur la parole de Dieu qui est vivante. Amen. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle et rien n'a été créé sans être créé par la parole. Donc, la parole de Dieu est efficace et vivante. La parole de Dieu, c'est ça qui mène la vie. Donc, si tu es l'enfant de Dieu et que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, il n'y a pas la vie en toi. Et nous savons communément que dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, la Bible dit que la parole à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette parole, c'est cette parole qui est Jésus, qui s'est porté chair. Il est venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Et de cette vérité, nous allons parler aujourd'hui, parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de tromperies, il y a trop de mensonges, et nous voulons parler par rapport à la vérité, à la lumière des Écritures. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, jusqu'à séparer. Amen. Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, moelle et jointure, et juge les sentiments et la pensée. Donc, nous voyons des caractéristiques de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu peut faire. Amen. Et nous allons aller pas à pas afin que vous compreniez qui est vraiment Dieu. La Bible dit que Dieu, au commencement, tout était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu, vu qu'il y avait du désordre, il a commencé par ordonner. Il a commencé par dire des mots. Il a commencé à prononcer des paroles. Et ces paroles prennent vie. Ces paroles ont commencé à se manifester. Amen. Et Dieu nous a légué cet héritage qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la vraie parole. Amen. Et cette parole doit être notre inspiration. Cette parole doit être la première des choses dans notre vie. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu. Donc, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc, il faut que la parole de Dieu soit dans nos vies. Et quand tu es en face d'une situation ou dans une circonstance donnée, il faut que Dieu soit présent. Il faut que Dieu prenne la première place dans ta vie afin que Dieu puisse décider de ton sort. Mais la plupart devant les circonstances et les situations, ils se présentent eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas de force. Amen. Alors qu'ils n'ont pas de pouvoir.
Mais il n'y a que la puissance et le pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce nom est le nom de Dieu Tout-Puissant. Nous tous, nous le savons. Et nous allons voir dans les églises, nous voyons dans les églises ou bien dans les dénominations, le nom de Jésus est utilisé. Mais sont-ils vraiment de Dieu? Amen. Sont-ils vraiment de Dieu? Pourquoi l'église de Dieu qui doit être unie est divisée en plusieurs? Amen. Pourquoi l'église de Dieu qui devait s'unir, qui devait être ensemble, qui devait se rassembler, qui devait décider, qui devait partager la même foi, a maintenant différents types de foi. Et nous allons voir que le Seigneur a partagé dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 23, nous allons aller là-bas après. Le Seigneur partageait des lettres aux anges des sept églises, qui sont les sept chandeliers qui sont devant le Père. À ces églises-là, on leur donne des différents types de lettres. Et à chacun sa lettre. Et Dieu parla de leurs œuvres, de leur foi en lui. Il y en a qui ont la foi, mais leur foi est mélangée avec d'autres choses. Et il y en a d'autres qui ont servi Dieu avec la foi véritable. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ici aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est un épée à double tranchant. D'abord, quand on écoute la parole de Dieu, nous mettons la foi dedans. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose, tu mets la foi en ce que la personne te dit. Et c'est en ce moment, quand tu écoutes ce qu'il dit, quand même tu prends la décision de discerner ce qui est bien, c'est du mensonge ou bien c'est de la vérité. C'est comme ça l'être humain fonctionne normalement. Or, la parole de Dieu vient de la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, il y a des gens qui écoutent des messages qui sont différents aux messages, par exemple, que nous prêchons ici. Et voilà pourquoi il y a différentes dénominations dans le monde qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu, qui ne se soumettent pas à la sainte doctrine et qui marchent selon leur propre désir, leur propre fonctionnement, leur propre doctrine. Là, s'ils marchent comme ça, ils ne sont plus avec Dieu. Ils se sont séparés de Dieu. Mais nous allons parler de quelque chose de très spécial parce que nous allons voir qu'à la fin des temps, Dieu viendra pour juger. Il viendra enlever ses enfants, la vraie église, les vraies vierges sages seront enlevées. Et ceux qui vont rester seront qui ils sont maintenant dans le monde. Et Dieu veut que nous soyons éprouvés. Dieu veut nous éprouver par son esprit, par le baptême du feu, amen, et de l'esprit, afin que nous puissions connaître, être dépouillés, savoir si réellement nous sommes dans la vérité. Donc, quand Jésus est venu, il est venu avec un message de quoi? De la repentance. Pourquoi ce message de la repentance? Parce que Dieu avait détruit la terre par l'eau de la déluge. Amen. L'eau du déluge. Amen. Et que Dieu ne veut plus détruire la terre avec l'eau du déluge, mais Dieu maintenant veut détruire la terre avec le feu. Parce que le temps, Dieu a donné le temps au diable de se manifester. Il s'est manifesté. À la fin des temps, il va encore se manifester. Il envoie ses anges, ses agents pour utiliser leur pouvoir pour éradiquer, pour contrecarrer la puissance ou bien l'onction de l'Église. Voilà pourquoi vous allez voir des pasteurs à cause des prophètes, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, à cause de la parole de Dieu est blasphémée au milieu des païens. Et il n'y a pas les gens qui veulent maintenant venir à Christ parce que les paroles ou bien les fausses prédications ou les faux enseignements qu'ils écoutent ou bien qu'ils prêchent amènent les gens à l'égarement. Même ceux qui sont païens savent, ils savent ceux qui sont dans la lumière. Amen. Tu seras surpris quand un païen va te dire un jour, voici, c'est l'homme qui va à l'église, c'est l'homme qui nous prêche. Voici, bel et bien, c'est lui qui fait ça. C'est un chrétien, normalement. Mais regarde sa vie.
Il se dit chrétien, mais un païen te dit de dire ça, il faut pleurer, mon frère et ma soeur. Les païens vous regardent. Vous êtes sous la lumière. Vous êtes sous la lumière du Très-Haut. Et quand vous faites le mal, si vous marchez, vous avez des mauvais comportements, les païens qui sont dans les ténèbres vous voient vous qui êtes dans la lumière. Voilà pourquoi Dieu dit, ma parole est blasphémée au milieu des païens à cause de vos comportements et vos agitations, à cause de vos comportements et de vos manières de faire. Amen. Parce que vous prêchez, vous dites des choses que je n'ai pas dites, vous prophétisez ce que je ne vous ai pas donné et vous voyez des visions qui ne sont pas de moi. Vous égarez le peuple de Dieu. Et beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes viennent avec des messages mensongers. Et l'apôtre Paul dit que nous avons amené qu'une seule évangile. Et l'évangile qui parle de Christ crucifié à la croix pour le pardon des péchés. Et celui qui croit en lui sera sauvé. Mais aujourd'hui, on voit différents types d'évangiles qui est prêché dans les églises qui ne sont pas de Dieu. Dans les églises qui se disent connaître, être dans la vérité. Bien-aimés, ici nous allons voir que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tes œuvres ou bien ta vie, c'est ce que Dieu voit. Ton cœur et ton âme et ta personnalité totale, Dieu voit ta personnalité. Les gens sont surpris de ce qu'ils attendent maintenant parce qu'ils disent, Dieu regarde que le cœur, mais il ne regarde pas le corps. Qui t'a dit que Dieu ne regarde pas le corps, mais que regarde le cœur? Lui qui a créé le cœur et la personne humaine tout entière, quand on te voit, on ne voit pas premièrement ton cœur, on voit ta personnalité. Personne, le cœur est caché. Mais tu vas dire, Dieu voit le cœur, mais il ne voit pas le corps. Qui t'a dit ça? Si moi je te vois, ou bien toi tu regardes quelqu'un, tu ne peux pas voir son cœur, mais tu vois la personne qu'il est, premièrement. C'est quand tu vas voir dans ses comportements, tu vas voir le cœur qu'il a, s'il est méchant ou pas. C'est comme ça Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, nous voyons des entités dans l'Église. Même des sœurs peuvent contredire même ceux qui les enseignent. Les frères peuvent aussi se prendre au-dessus des enseignants pour se dire, nous connaissons la parole parce que nous connaissons des versets bibliques. Au-delà de ça, l'Esprit de Dieu est dilué. Ce n'est pas le vrai Esprit qui se trouvait au temps des apôtres qui est là aujourd'hui parce que il y a des frères et des sœurs en Christ qui attristent le Saint-Esprit. Même quand on leur prêche la parole de la vérité, ils ne veulent pas attendre. Ils se voient déjà connaître la parole. Où est donc l'humilité qui vient de Dieu en vous? Où est donc maintenant la crainte de Dieu qui doit être en vous? Un enfant de Dieu, on voit un enfant de Dieu par la crainte de Dieu qui est en lui. On voit un enfant de Dieu par l'humilité qui est en lui. Mais aujourd'hui, on voit que l'Église est mélangée. L'Église est mélangée. Et beaucoup, par exemple, beaucoup quittent au milieu de nous, ils sortent parce qu'on fait les dénonciations, on dénonce les œuvres des ténèbres. On parle des choses, des nourritures solides et ils ne peuvent pas porter. Et ils sortent comme ça. Soit disant que voilà, nous sommes plus parfaits et ce n'est pas le message que nous voulons. Voilà pourquoi en Israël, dans le livre d'Ézéchiel, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13. Nous allons aller vite. Ézéchiel, chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13, verset 1, nous allons aller pas à pas. Ézéchiel chapitre 13, le verset 1 au verset
4. Ouais. Ézéchiel chapitre 13. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Je continue. Oui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Amen. Amen. Nous voyons, le prophète Ézéchiel dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés. Malheur aux prophètes insensés qui prophétisent quand Dieu n'a pas donné de prophétie. Qui ont des visions quand Dieu n'a pas donné de vision. Il y a des frères et des sœurs, par exemple, qui osent utiliser le nom de Dieu pour blasphémer contre Dieu. Ils ont des visions qui ne viennent pas de Dieu. Ils ont des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Alors Dieu parle au travers de ce prophète Ézéchiel au peuple d'Israël. Et nous allons voir, quand nous lisons le chapitre, nous allons voir Dieu a dit au prophète, parce que ils ne doivent pas entrer dans le peuple d'Israël. Ils ne doivent pas entrer en Israël. Or, ces prophètes-là sont en Israël et ils prophétisent. Ils font des prophéties mensongères. Ils enseignent des choses mensongères, des choses que Dieu n'a pas dit. Alors, écoutez-moi bien. Ce pourquoi nous lisons ce verset, c'est pour attirer le peuple de Dieu à prier encore. Tu dois être encore zéré. Il faut demeurer dans la parole jour et nuit. Il faut t'écarter de quoi? De la distraction de ce monde. Il faut abandonner, vraiment s'abandonner totalement au Seigneur comme ton premier amour, comme le jour où tu as reçu le Seigneur, le jour où tu as su la vérité. Il faut vraiment t'abandonner vraiment au Seigneur pour avoir la vérité. Il ne faut pas se pencher sur le peu que tu connais parce que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Sinon, si nous sommes sauvés par les œuvres, je vais me contenter des œuvres, des choses que je fais pour me glorifier. Alors, je n'ai pas à me glorifier parce que je suis justifié par la foi et non par les œuvres. Dieu nous appelle aujourd'hui à marcher par la foi, à avoir la parole de Dieu à nous. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi qui est une foi véritable, c'est une foi qui est accompagnée de la parole de Dieu, une foi qui tient sur les promesses que Dieu a faites, une foi qui obéit au commandement de Dieu, une foi qui ne tarde pas, une foi qui ne se vacille pas, une foi qui fait le bien, une foi qui manifeste l'amour, une foi qui déplace les montagnes. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. La foi que Dieu veut de toi, c'est cette foi que tu dois manifester. La foi sur l'humilité. Là où on trouve les gens bêtes, quand on te voit, on sait que tu es vraiment un fils de Dieu parce que tu n'es pas bête. Parce que ton caractère, ta vie démontre qui tu es en Christ, démontre ta position et ta nature en Christ. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair. Ça veut dire que tu n'es plus charnel, tu n'es pas un homme ordinaire, mais tu deviens quelqu'un qui a reçu le don de Dieu afin de pratiquer les bonnes œuvres. Tu n'es plus ordinaire. Là où les gens meurent d'envie, de l'impudicité, toi tu dis au nom de Jésus, je ne suis plus dedans, je ne peux plus participer à l'impudicité. Je suis un enfant de Dieu. Les princes reconnaissent leur identité, leur position.
dans le royaume. Une princesse aussi reconnaît sa position dans le royaume de son père. Tu ne peux jamais voir une princesse sortir de la maison de son père, aller pratiquer l'impudicité et revenir. Une princesse est toujours à déséducation du royaume. Et le prince a l'éducation du royaume. Et nous sommes des intendants de Dieu. Nous sommes des intendants de Dieu Tout-Puissant. Je peux aussi dire que nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Et il faut que la parole de Dieu puisse se manifester en nous comme une lumière et non comme des ténèbres. La Bible dit, la parole de Dieu est blasphémée parmi au milieu des païens à cause de vos œuvres, à cause de vos manières d'agir, à cause de vos fausses prophéties, à cause de vos fausses visions. Amen. L'autre fois, je suis en train d'écouter un message sur Israël. On a dit, même si un prophète prophétise que c'est 11 heures, cela va se produire, et que 11 heures, la chose ne s'est pas produite, on va le qualifier d'un faux prophète. Amen. En Israël, les prophètes qui sont venus sont des prophètes, des vrais prophètes. Quand ils disent « I », c'est « I ». Mais quand on reconnaît un faux prophète, même s'il y a des décalages, il faut vraiment demeurer dans la parole. Il faut vraiment se retirer du monde. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens un pied dedans, un pied dehors. Comment un chrétien peut-il encore avoir des copines ou bien peut-il encore avoir des copains dehors? Et tu viens, après tout, tu viens t'agenouiller pour dire, Seigneur, j'ai encore péché. Je ne peux plus. Demain, tu tombes encore, tu reviens, tu dis, ah, Seigneur. Mais Dieu ne veut plus ça de toi. Il faut sortir du monde. Il faut s'abandonner avec le Seigneur. Il faut s'abandonner dans sa parole. Il faut vraiment plonger tes regards dans la parole de Dieu. Et ce sont des sœurs et des frères comme ça qu'ils aiment qu'on leur prêche ce qu'ils aiment. Amen. Qu'on leur prêche sur l'impudicité. Tu peux avoir des copains, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ça, tu peux divorcer, il n'y a pas de souci. Tu peux insulter, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Ils aiment des prophéties. Tu dois voyager, tu peux voyager. Dieu, je te vois aux États-Unis et les gens sont contents. Or, Dieu ne nous a pas promis les choses de la terre. Il a dit de rechercher le royaume des cieux, sa justice, et tout ce dont vous cherchez, vous serez donné par-dessus. Le royaume des cieux, là, c'est maintenir ta foi en Christ, révéler ton identité au monde entier et faire des nations les disciples. Mais Dieu ne nous appelle pas à faire des discriminations ou à faire des débats inutiles avec le monde, mais à dire la vérité en ce qui concerne le Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, il a dit, je convaincrai le monde du péché. Mais pour vous, parce que vous m'avez déjà vu et que vous avez cru en moi et que vous avez reçu la justification. Mais en ce qui concerne le monde, il va être convaincu du péché parce que le monde vit dans le péché. Voilà pourquoi on prêche la repentance. Et si toi aussi tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de lumière et que tu vis encore dans le péché, tu vis dans le monde. Tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu fais partie du monde. Mais Dieu veut que tu puisses sortir de ce monde. Amen. Comme le dit la parole de Dieu, allez, nous allons aller dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 18, d'abord, on va parler de l'église de Thyatire. Okay. Il y a plusieurs églises, le 7 églises, mais nous allons parler de l'église de Thyatire. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Verset 18 au verset 26. Au verset 26.
écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Tu m'entends? Oui. D'accord. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répentît et elle ne veut pas se répentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur parle à l'église de Thyatire. Il a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton zèle, ton service dans le Seigneur et ta constance. Mais ce que j'ai contre toi, imagine ce que les œuvres que cette église pratique. Mais Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel venir, soi-disant, pour prêcher, pour prophétiser, pour séduire le peuple de Dieu. La séduction n'est pas seulement sensuelle ou sexuelle. La séduction, c'est dans les paroles qui peut conduire, qui peut susciter l'homme à aimer, à désirer quelque chose provenant d'un intérêt pour lui. Donc, un intérêt personnel, ce que les gens aiment, séduire. Donc, cette femme vient pour séduire. Il faisait des prophéties. Il disait des choses. Mais ces choses-là ne sont pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. La femme ne doit pas être enseignée, ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Mais ici, Dieu a quelque chose contre cette église. Et quand nous prenons les autres églises aussi, Dieu leur donnait encore des avertissements par rapport à la manière dont ils se conduisent. Et nous allons voir dans chaque église de ce monde, il y a des paroles, il y a des doctrines qui sont prêchées. Imagine les avertissements que Jésus avait à donner à ces sept églises. Amen. Donc ici, Dieu parle généralement à l'église de Thyatire et à la femme Jézabel qui séduit les gens, les enfants de Dieu, et qui les a menés vraiment dans les ténèbres. Parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés à la fin. Le salut, c'est jusqu'à la fin qu'on peut voir ton œuvre. Jusqu'au dernier souffle, amen, que tu seras accepté si tu as marché dans la vérité. Amen. Un arbre reste toujours un arbre. Les poules ne portent pas des écailles et les poissons aussi ne portent pas des plumes. Si tu veux marcher dans le droit chemin, il faut marcher dans le droit chemin. Si tu veux rester dans le monde, tu dois rester dans le monde. Mais si tu veux suivre le Seigneur, il faut prendre à avoir cette conscience que tu dois tout abandonner pour le Seigneur. Amen.
Il faut tout abandonner pour le Seigneur. Il faut mettre dans ta conscience que voilà, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des choses que je ne dois plus faire. Des paroles que je ne dois plus dire. Des comportements, des caractères que je ne dois plus avoir. La faiblesse, la paresse, la lourdeur, je dois crucifier ces choses. Il faut que je puisse avoir de l'intimité avec le Seigneur. Il faut que je puisse parler au Saint-Esprit. Il faut que je puisse demander à Dieu, Seigneur, si je suis sur la bonne voie, si ma conduite peut m'amener au paradis, Dieu va se révéler à toi. Amen. Dieu va se révéler à toi. Mais si chaque jour tu penses que tu es dans la vérité, alors que tu es dans l'erreur, et beaucoup d'églises, des dénominations pensent qu'ils sont dans la vérité. Amen. Et ils ne s'éprouvent, ils ne s'examinent pas pour savoir la volonté de Dieu. Et nous allons voir que dans ces sept églises, Dieu les accuse d'une chose, ce que j'ai contre toi. Et Dieu te dit maintenant, ce que j'ai contre toi, il faut que tu te repentes. Parce que si tu ne te repens pas, tu seras jeté et frappé. Tu seras châtié. Tu vas recevoir le jugement de Dieu sur ta vie. Alors Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est de se repentir. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes de ce péché, de ce péché qui t'amène encore plus bas, qui t'empêche d'avoir la relation avec Dieu. Si ce sont les disputes qui t'éloignent de Dieu, il faut cesser de disputer. Si c'est avoir raison, tu veux toujours avoir raison, qui te sépare de Dieu, il faut laisser cette vie-là. Si c'est voler, si c'est tromper, si c'est tricher, si c'est faire du mal qui t'éloigne de Dieu, il faut vraiment crucifier cela pour ne pas perdre, pour que le Seigneur te dise ce que j'ai contre toi. C'est ça. Ta vie, il faut la mettre en règle. Et les vierges folles, ce que Dieu a contre eux, c'est qu'ils ne se sont pas préparés bien avant le cri de minuit. Et quand la trompette a sonné, les vieilles sages sont rentrées et les vieilles folles, non, le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu et je ne vous connais pas. Allez dans les ténèbres du dehors. Parce que ceux qui m'attendaient, c'est ceux-là que je suis venu chercher. Donc, si tu n'attends pas le retour de Dieu, Dieu ne viendra pas te chercher. Si tu attends les choses de ce monde, le monde viendra te chercher. Mais quand tu attends le retour de Jésus, quand Dieu vient, il sait que tu es préparé, tu seras avec lui au paradis. Et ce que j'ai contre toi, c'est ta mauvaise vie, ta mauvaise conduite. Il faut pardonner à cette personne qui t'a offensé. Il faut aller en genoux supplier le Seigneur d'enlever l'amertume, ce qui t'amène à se mettre en colère, ce qui t'amène à ne plus aimer les gens comme avant. Il faut que Dieu puisse déraciner cela dans ta vie. Parce qu'à chacun, Dieu viendra pour dire ce que j'ai contre toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Il faut qu'on s'examine vraiment dans la parole de Dieu. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu comme notre miroir pour se regarder afin de se corriger jour et nuit. Il le faut. Bien évidemment, beaucoup disent, ah, nous avons reçu Jésus, nous avons une place dans le paradis, comme beaucoup de pasteurs dans les dénominations le disent. Mais nous, nous disons, si tu ne persévères pas et que tu fais les œuvres et que tu restes certaines œuvres, tu dis non, je suis dans le bon chemin, tu seras surpris à la fin. Amen. Nous allons aller dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 2, 28, verset 9. Chroniques, chapitre 2. 1 Chroniques, chapitre 28. Ah, Chroniques, chapitre 28. Verset 9. D'accord. Je
C'est bon? Et... Oui, en Chronique, chapitre 28, verset 9. Et toi, Salomon, fils, mon fils. Oui, oui. En Chronique, chapitre 28, verset 8. Et verset 20. 9 à 8. 9 à 8? Oui, 9, 9 seulement. Ah, d'accord, ça y est, je t'entends là. Merci. Et toi, Salomon? Mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Nous allons encore relire. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Amen. Le Dieu dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement le verbe que nous disons. Nous parlons de Dieu de miracles, le Dieu d'Israël, celui qui a marché devant Pharaon, celui qui a remué la terre, celui qui a fait tomber le mur de Jéricho, et celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est lui ce dont, celui qui a créé les cieux et la terre, ce dont, c'est lui nous parlons ici. Amen. Parce que ce Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu puissant, terrible. Amen. Parce qu'un Dieu qui tient à sa parole, parce que celui qui a créé le monde par les choses invisibles. Amen. C'est ce Dieu dont nous parlons. Celui qui a créé l'homme que tu es, c'est ce Dieu dont nous parlons. Vous comprenez? Parce que celui qui a créé l'ordinateur connaît les clés, la manière dont il a créé son ordinateur. Il a préprogrammé cet ordinateur. Ou bien quand nous prenons un robot, on l'a préprogrammé pour exécuter des tâches. C'est comme ça Dieu aussi nous a créés. Et c'est la personne qui connaît son robot, qui connaît ses fonctions. Nous pouvons aussi dire que c'est le potier qui crée l'argile. Amen. Et le potier ne peut jamais demander à l'argile, pourquoi tu m'as créé ainsi? Amen. L'argile est soumise au potier, à celui qui le crée. Amen. Ainsi comme le robot est soumis à celui qui l'a créé. Amen. Nous devons aussi se soumettre à Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a le pouvoir sur nous. Il a le pouvoir de nous détruire et le pouvoir de nous rendre vie. Amen. Donc, nous devons avoir la crainte de Dieu. Les gens parlent à leur prochain, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils s'en foutent de ce que la personne va attendre, voilà, à ce qui concerne leur propre intérêt. Les gens sont prêts à tout. À ce qui concerne les plaisirs de la chair, les gens sont prêts à tout, à donner leur corps pour les plaisirs charnels. Mais pour les choses de Dieu, l'homme s'éloigne de Dieu. Et ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché, les œuvres de la chair. Amen. Nous allons lire, vous allez comprendre pourquoi on dit à Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Amen. D'une âme bien disposée. Quand on parle de l'âme bien disposée, c'est l'âme qui ne s'inquiète pas du lendemain. C'est l'âme qui ne s'inquiète pas des choses d'hier. Parce que quelqu'un t'a insulté, tu as misé encore des pensées sur ce que la personne t'a dit ou des choses qu'on t'a dit ou des caractères, des comportements que les gens ont eu envers toi, tu les as encore en toi. Mais Dieu qui t'empêche, cela t'empêche de bien prier ou bien d'entrer vraiment en intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il dit, sers-le d'un cœur dévoué et
d'une âme bien disposée. L'âme disposée, c'est l'âme qui, un cœur disposé, c'est un cœur qui, c'est comme s'il attend un étranger, un invité qui veut venir chez lui avec impatience. Il attend seulement que l'étranger puisse dire, il va klaxonner la porte, il va aller ouvrir. Donc, c'est comme si nous sommes prêts à rendre un compte. Nous sommes prêts à faire quelque chose de très important ou bien à accueillir quelque chose. C'est un cœur disposé. Tu es disposé à faire quelque chose. Tu sais ce que tu veux faire. Amen. Il faut être disponible à Dieu. Il faut abandonner tes petites réunions ou tes sorties. Ou voilà, il faut vraiment passer du temps avec Dieu. Amen. Il faut passer du temps avec Dieu. Amen. Nous allons continuer. Car l'Éternel, le frère, car l'Éternel sonde tous les cœurs. Amen. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. La plupart pensent que Dieu ne leur regarde pas. Ils disent réellement que Dieu regarde le cœur, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Parce que Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Les gens ont des versets bibliques à dire, des versets bibliques à donner, des choses à dire, mais leur cœur est éloigné de Dieu. As-tu plongé ton cœur dans la vérité, dans la crainte de Dieu? As-tu mis ton cœur dans la présence du Seigneur? As-tu laissé le Seigneur t'envahir, te remplir et d'inonder de sa présence? As-tu laissé ta vie dans la main du Seigneur? Amen. Je suis en train de nous parler. Amen. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Toutes les pensées que tu as d'ici et là, Dieu connaît tes pensées. Rien n'est caché devant Dieu parce que c'est lui qui a créé, qui t'a créé. Il connaît comment tu fonctionnes. Rien n'est caché devant Dieu. Et si vous venez ici pour écouter la parole de Dieu, ou si vous faites aussi semblant de venir, Dieu connaît vos cœurs. Et vous serez vraiment terriblement punis. Vous serez terriblement châtiés par la puissance de Dieu. Si tu viens ici que pour les filles, que tu viens ici que pour le mariage, tu viens ici que pour la guérison, tu n'as rien compris. Nous nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons la repentance, nous prêchons le royaume des cieux. Alors tu dois connaître la vérité. Tu dois savoir que Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît ton cœur, la profondeur de ton cœur. Toi qui murmures contre les vrais hommes de Dieu, tu murmures contre ton frère. Il faut laisser cela. Dieu veut transformer ta vie. Laissez vos cœurs dans la présence de Dieu et Dieu va vous révéler des choses cachées. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ta guérison. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des miracles que Dieu veut faire. Quand nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 23, nous allons voir que le Seigneur Jésus même se méfiait des gens. Il se cachait pour que les gens ne viennent pas chez lui, parce que les gens cherchent que les miracles. Les gens cherchent que des choses qui vont leur faire du plaisir. Amen. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, leur Créateur. Amen. C'est le Créateur qui définit sa créature. Ne te laisse pas définir par les circonstances de cette vie. Ne te laisse pas définir par les gens qui t'attribuent des noms, divers noms. Mais laisse le Seigneur te façonner. Laisse Dieu munir, transformer ta vie. Et quand tu seras parfait en ce moment, les gens qui t'ont abandonné verront qui tu es vraiment en Christ. Quand les gens t'insultent, quand les gens disent des choses, laisse Dieu calmement agir. Laisse Dieu agir. Tu n'as pas à s'inquiéter. Ton Père est un feu dévorant. Il connaît les pensées et les cœurs de l'homme. Sa parole est une épée à double tranchant. Amen. Si tu peux avoir cela dans ta conscience, tu seras dans le repos éternel. Tu ne vas rien craindre parce que tu as un Dieu puissant qui connaît les pensées des gens.
Si tu as fait quelque chose et qu'on t'accuse, ou que tu n'as rien fait, mais quand on t'accuse, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît leurs pensées. Laisse Dieu agir. Va en genoux dans la prière. Mets Dieu devant, parce qu'au commencement, c'est Dieu. Amen. Mets Dieu devant ta vie. Réunis ta vie. Cherche Dieu de tout ton cœur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent, par exemple, dans cette réunion, par exemple, quand ils vont quitter, ça fait la semaine prochaine qu'ils vont appeler leur prochain pour leur saluer. Voilà, ils s'occupent de leurs besoins, ils s'occupent de n'importe quoi et ils ne lisent pas la parole, ils ne prient pas, mais ça fait la semaine prochaine qu'ils vont venir. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de chaque jour. La prière, l'amour, la foi et la persévérance, les jeûnes et prières. Il faut le faire chaque fois. Il faut punir ton corps. Si ton corps te mène dans le péché, il faut jeûner, il faut se priver de nourriture. Quand Jean, les disciples de Jean ont vu les disciples de Jésus en train de manger, boire, il dit, Maître, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, ils ont le temps de manger et ils ont le temps de jeûner quand je ne serai pas avec eux. Là, maintenant, je suis avec eux, ils ont droit à manger. Amen. Ici, le Seigneur, il est là, mais il n'est plus physique comme cela se doit, mais il faut que tu puisses faire l'effort d'aller avec lui. Parce que les choses de ce monde nous séparent de Dieu. Les choses de ce monde nous attirent. Faire la force d'entrer en intimité avec Dieu. Parce que si tu veux laisser chaque fois Dieu venir, ça ne donne pas. Dans une relation de couple, si quelqu'un, une femme, donne plus que l'homme, la relation ne va pas marcher. Si les deux se cherchent ensemble, c'est ça, c'est en ce moment que la relation devient intense et vive de feu. C'est comme ça, ça marche avec Dieu. Tu t'éloignes de Dieu et tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne cherches même pas à comprendre, à avoir l'intimité, à lui expliquer ta vie. Parce que tu as peur de ce que tu as fait. Madame, les enfants, quand ils ont fait quelque chose dans la maison, ils se cachent sous les canapés, ils se cachent derrière les postes de télévision pour que les parents ne sachent pas ce qu'ils ont fait. Mais quand maman découvre ça, ils appellent Junior. Il sort derrière la télé doucement, comme rien n'était. Juste, il cache ce qu'il a fait à la maison. Et quand maman voit ce qu'il a fait, c'est en ce moment qu'il pleure. Maman, j'ai fait ça. Voilà. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, où êtes-vous, Adam et Ève? Il a dit, nous sommes loin du jardin, nous ne sommes plus là où tu nous as dit d'être parce que nous avons péché, nous sommes nus. Ils ont commencé même à avouer. C'est ça la vie des chrétiens. Vous attendez que Dieu vienne d'abord avant que vous avouez. Or, il faut reconnaître tes péchés. Il faut reconnaître tes erreurs, se repentir et être bon devant Dieu parce que Dieu connaît nos pensées, nos cœurs. Dieu connaît nos sentiments. Rien n'est caché devant Dieu. Bien-aimé, il faut venir adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut laisser les prophéties. La bonne prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand tu le médites jour et nuit. La bonne prophétie, ce n'est pas ce que vient de l'homme directement. Dieu peut parler au travers d'un prophète. Dieu peut parler au travers d'une sœur ou d'un frère, David. Mais la prophétie de chaque jour, c'est la parole de Dieu. C'est de mettre la foi à la parole vivante, efficace de Dieu. Ça, c'est la lettre. C'est l'écriture. Il n'y a pas la vie dedans si tu ne mets pas l'Esprit de Dieu. Si tu ne t'accordes pas avec la foi. Si tu ne mets pas place la foi en cette parole, il n'y aura pas la vie. Il faut que tu mets la foi sur la parole de Dieu
pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Donc, c'est ce que nous avons à partager aujourd'hui, et que le Seigneur fortifie chacun de nous, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier pour ce moment. Là où tu es, tu peux prier pour dire au Seigneur, « Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens enlever toutes choses qui ne confessent pas ton nom, Seigneur. Viens magnifier ton nom dans ma vie. Aujourd'hui, je reconnais mes erreurs, mes fautes, et je viens devant toi pour dire, Seigneur, de me pardonner et de me donner encore une chance pour vivre, pour être avec toi. Là où je suis tombé, Seigneur, relève-moi. Là où je suis faible, Seigneur, fortifie-moi. Que je ne sois pas une proie pour l'ennemi. Et que je ne sois plus esclave du monde, ni esclave du péché. Et que je ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Mais que je sois délivré des choses de ce monde. Seigneur, fortifie-moi dans la foi. Et donne-moi, Seigneur Jésus, d'aimer les choses d'en haut. Donne-moi l'envie, le zèle, la joie, l'amour de s'attacher à tes paroles. Seigneur, tu es saint, digne de louange. En ton Saint-Nom, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu soit loué. Je remets la parole au frère Armando, s'il est parmi nous. Salutations à tous les bien-aimés. Merci, frère, bienvenue pour ce moment. Voilà, comme nous nous sommes dit que vraiment, on n'a vraiment pas de questions à répondre, à moins qu'il y a des frères qui sont restés avec les questions d'hier, afin que nous puissions aussi parcourir la parole avec les bien-aimés. Donc, je laisse la parole à la sœur Claudia. S'il y a des questions, on peut rapidement les prendre. Merci. Oui, merci, frère Armando. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Alors, merci, mes bien-aimés. J'espère que... Oui, frère Armando, excuse-moi. Il y a le frère Victor qui a une question. Frère Victor. Oui, et soyez bénis les frères. Au fait, je ne sais pas, frère, si tu avais commencé quelque chose, je ne sais pas si tu veux finir ça ou pas. Tu peux Allô? Répéter, frère Victor, oui. S'il te plaît. Oui, parce que c'est-à-dire, le frère avait commencé à parler, donc, et moi, et voilà, et toi qui l'as coupé, comme quoi, je viens de lever la main. Je ne sais pas si vous voulez finir quelque chose ou pas. Hein? Non, vas-y, tu peux poser ta question. D'accord, ok. Alors, mais il n'est pas là, il est parti. Patiente un instant, s'il te plaît. Allô? Oui, voilà, alors, moi, c'est plutôt, c'est de l'Apocalypse 2, 20. Alors, là où on avait lu tout à l'heure, alors je ne vais pas tout lire le verset. C'est que voilà, c'est que c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseignée. Voilà, après le reste. Est-ce qu'on peut dire ces femmes qui se disent aujourd'hui pasteurs, apôtres et ainsi de suite? Est-ce qu'on peut dire quelles sont des Jézabel aujourd'hui? Ok. Merci, mon bien-aimé. En fait, d'abord, il faut comprendre qu'ici, l'esprit est en train de réprimander l'ange de l'église de Thyatire. Mm-hmm. Voilà. Alors, on va comprendre qu'il y a un passage biblique là où l'apôtre Paul nous confirme qu'il était parti dans cette église-là, en fait, dans le territoire de Thyatire,
Et dans le territoire de Thyatire, les femmes prêchaient la parole dans les assemblées. C'est-à-dire que les femmes avaient leur assemblée et les femmes qui étaient là en train de présider les cultes, les femmes. Voilà pourquoi ici, Dieu est en train de réprimander l'ange de l'église de Thyatire de ne pas laisser la femme alors enseigner. Mais nous comprenons que Jézabel ici ne signifie pas cette femme ici, non. Parce que Jézabel était une reine en Israël, la femme du roi Achab. Elle était reine. Mais sauf que l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'impudicité que le diable avait donné à cette reine. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont cet esprit-là. C'est l'esprit de l'impudicité, l'esprit de la séduction qui fait tomber les hommes. Aujourd'hui, quand nous entendons qu'il y a un homme de Dieu qui est tombé, si ce n'est pas avec de l'argent, c'est avec le sexe. Donc, c'est tout un esprit. Alors, cette femme ici, qui symbolise Jézabel en esprit, alors on les caractérise à toutes les femmes qui prennent de l'autorité sur les hommes. Toute femme qui se met devant les hommes à parler, cette femme-là sera conduit par un esprit de Jézabel. C'est-à-dire que c'est facile pour les hommes de tomber devant une telle femme. C'est facile. Les hommes vont tomber. Donc, cela caractérise l'esprit de Jézabel. Cela ne signifie pas que toutes les femmes ont l'esprit de Jézabel. Non. Mais la femme qui se tient devant les hommes, elle peut facilement séduire les hommes. Mais cet esprit-là, c'est ça qui est Jézabel. C'est ce qui s'est passé dans le territoire de Thyatire. Voilà, mon frère, je m'arrête par là. Oui, que... donc, c'est ça ma question. Au fait, c'est ce que je peux dire. Donc, aujourd'hui, ces femmes qui enseignent dans les assemblées, qui se disent pasteurs, ou j'ai même une fois vu doctoresse de la parole, on peut les considérer comme des Jézabel. C'était ça, au fait, est-ce qu'on peut les considérer comme des Jézabel? Parce qu'ils sont pas, elles ne sont pas faites normalement pour enseigner devant les saints, l'assemblée des saints. Bon, fait, très bien. Bon, mes frères, au fait, nous n'allons pas être catégoriques dans le sens que toutes les femmes qui prêchent la parole sont des Jézabel. Non, sinon on sera trop catégorique. Mais ce que nous devons dire ici plutôt est que la femme ne peut pas prendre de l'autorité là où il y a des hommes. Et ici, on interdit à une femme qui a la séduction d'être devant les hommes. Mais c'est tout à fait normal. Nous savons que une femme ne peut pas diriger une assemblée. Ça, c'est tout à fait normal, non? Une femme ne peut jamais conduire une assemblée. Ça n'a pas de sens. La femme ne peut pas diriger les hommes. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas chrétien. Voilà. Donc, nous disons ça dans le sens. En plus, tous les titres, au fait, bon, on appelle ça les titres parce que ce ne sont pas des dons que Dieu donne. Les femmes ne peuvent pas avoir le ministère de la parole, c'est-à-dire l'autorité. Non, ça, ce n'est pas donné aux femmes. Ça, c'est donné aux hommes. Merci, mon bien-aimé. Sois bienvenu, mon frère. Merci. La sœur. Oui, frère Armando, il n'y a plus de questions. Non, merci, mes bien-aimés. Voilà, il y a une main levée, la sœur Julie. Oui, bonjour Frère Armando. Moi, oui. J'ai une question. Est-ce qu'il faut toujours, avant de faire une prière, est-ce qu'il faut toujours se repentir? Je ne sais pas, parce que comme nous péchons parfois même avec les pensées, est-ce que nous devons toujours nous repentir avant de commencer une prière? Ça, c'est ce que je veux savoir. Voilà, ça, c'est la première question. Bon, mes bien-aimés, vous savez, il y a des saints sur la terre. Nous croyons à la parole de Dieu que nous sommes des saints.
Alors, quand on parle d'un saint, on fait alors mention d'une personne qui mène la vie de sanctification. Mais si je veux confesser ma conduite, les péchés, je le fais devant Jésus. Maintenant, si un frère ou une sœur appelle, un frère, c'est-à-dire que quelqu'un m'appelle pour des prières, je dois d'abord savoir. Je dois savoir de quoi s'agit-il. Quelle est sa vie? S'il avait commis des péchés, il doit demander pardon. Ça, c'est clair. Donc, il faut d'abord demander pardon avant de confier la personne à Jésus. Mais attention, quand on parle de demander pardon ici, il faut faire une repentance. Une repentance. Parce qu'on se répand quand on commet un péché. Mais attention aussi au péché là qu'on commet là-bas. Il y a un péché qui souille le corps. On doit demander pardon. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, on demande pardon. Alors, quand on n'a pas encore fait une repentance et on vient prier, c'est comme si on était sale et on va dans une fête. Ça ne va pas marcher, non? Tu es sale, tu vas dans une fête. C'est comme si tu priais à Dieu sans confesser tes péchés. Aussi longtemps que tu es conscient que ce que tu avais fait était bon, était mauvais, mais quand même tu viens prier. Ah non, là nous disons non. Ça va, ma sœur Julie. Merci, frère Maman. La sœur Claudia. Le frère Eloge. Oui, shalom à tous. En fait, moi, c'est par rapport à la question du frère Victor, c'est peut-être un complément. Fait pour dire que la parole du Seigneur a dit demander à la femme de se taire dans l'assemblée des saints. Maintenant, si la femme prend la parole, en fait, elle ne s'inscrit plus dans la parole du Seigneur. En fait, ici, il y a déjà une forme de séduction. En fait, la séduction déjà peut déjà se présenter dans le fait de sortir déjà du cadre de la doctrine. La doctrine dit que la femme s'était dans l'assemblée des saints. Mais une femme qui s'élève pour donner la semence alors que c'est lui qui est supposé porter la semence et qui doit s'aimer, c'est l'homme. Mais quand la femme prend autorité pour donner la semence, donc l'enseignement, là, il y a déjà une forme de séduction. En fait, c'est un peu ce que j'avais à apporter comme compréhension. Merci, merci mes bien-aimés. J'espère que voilà, on s'arrête par ici, à moins qu'il y ait encore... il y a encore des questions. Oui, mais frère Armando, il y a une main levée. Et quand même, frère Loge, j'espère que mes bien-aimés, pour ne pas qu'il y ait une mauvaise compréhension, soit une mauvaise explication, nous comprenons tous ce qui signifie que la femme se taise dans les assemblées. J'espère qu'on en avait déjà parlé. Se taire dans les assemblées ne signifie pas parler. Non, la femme peut parler. Se taire signifie ne pas prendre de l'autorité. C'est différent, afin, à moins qu'il y ait des frères qui veulent encore en discuter. Nous sommes là pour partager. La sœur Claudia. Oui, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Ken Fat. Oui, amen, amen. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, je reviens. Merci. Oui, bonsoir. Je reviens encore toujours sur la question de notre frère Victor concernant les femmes dans les assemblées, parce que nous tous, nous voyons sur les réseaux sociaux comment il y a un peu partout beaucoup de femmes qui dirigent carrément des ministères. Et je crois avoir déjà entendu une fois que dit que non, ça c'était de l'Ancien Testament. Ça faisait partie de la loi, ça faisait partie de l'Ancien Testament, et qu'aujourd'hui, la femme peut prendre la parole, quoi. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'était par rapport à l'Ancien Testament, l'ancienne loi? Et je sais, j'ai entendu aussi une fois dire, quelqu'un m'a pris l'exemple, comme quoi Jésus, après sa résurrection, il s'est présenté d'abord à une femme pour aller annoncer la nouvelle. Et cette nouvelle, est-ce qu'il devait l'annoncer uniquement aux femmes? C'était pour l'annoncer. Donc, même la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est une preuve. Quand il s'est adressé à Marie-Madeleine, c'était à une femme en premier pour aller annoncer. Donc, voilà, frère Mando, j'aimerais peu savoir par rapport à tout ça. Amen. Bon, merci, ma sœur. Premièrement,
le livre de l'Apocalypse est dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est le premier point. Le livre de l'Apocalypse est dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas dans l'Ancienne Alliance. Même si c'était dans l'Ancienne Alliance, il n'y a aucune femme qui a pris l'autorité dans l'Assemblée des Saints devant les hommes. Aucune femme. C'est ça le problème. Aucune femme. J'espère qu'on avait déjà démontré ça dans une vidéo. Maintenant, bon, je ne sais pas, on peut avoir des problèmes de connexion. Voilà, maintenant, la femme, quand l'apôtre Paul dit que la femme ne peut pas prendre la parole, que la femme se taise, c'est par rapport à l'autorité. Se taire ici ne signifie pas dire que la femme ne peut pas parler. Non, parce que dans l'Assemblée, la femme peut parler. La Bible dit dans Actes 1:14, si le frère bienvenu peut lire ça, Actes 1:14, frère bienvenu, la Bible dit quoi là-bas? Actes 1:14. Actes 1:14. Qui dit la parole? Actes chapitre 1, verset 14. Je lis dans le nom de Jésus. Tous, d'un même accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ah, voilà. C'est clair, non? Aimé, bien aimé. C'est clair. Tous, avec les femmes, étaient dans les prières. Donc, les femmes aussi pouvaient prier. Pouvait parler dans l'Assemblée. Mais ce que l'apôtre Paul disait, c'est ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, une femme ne peut pas être bergère. Non, elle est pasteur ou comme on dit, en fait, doctoresse. Non, ça, c'est pas ça. La femme ne peut pas avoir le ministère de la parole. Voilà. Merci. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. La sœur Claudia. Oui, frère Armando. J.M. Beb. Oui, bonjour, bonsoir les frères et les sœurs. Moi, je voulais demander par rapport à la vie des couples. Quand on est dans une maison, l'homme et la femme et les enfants, quand vous voulez, partager la parole de Dieu, est-ce que la femme peut expliquer que, comment dire, prêcher la parole de Dieu devant son mari? Merci, ma sœur, pour la question. La Bible est claire. La Bible dit que la femme ne prenne pas de l'autorité sur l'homme. Ça va, non? Quand nous sommes dans une maison, papa et maman et les enfants sont là, est-ce que ça, c'est une assemblée des saints? Mais non, ce n'est pas une assemblée des saints. Ça va, non? Ce n'est pas une assemblée des saints. Et considérer une assemblée des saints quand c'est tout le monde qui connaisse la parole mène la vie de sanctification. Mais s'il y a des bébés de 3 ans, 4 ans qui sont là-bas, ça, ce n'est pas une assemblée des saints. Ça va, non? Maintenant, supposons que l'homme est païen et que la femme qui connaît la parole, la femme, là, peut dire à son mari païen la parole de Dieu. Ça va? Mais si l'homme, supposons que l'homme aussi connaît la parole, la femme ne va pas prendre de l'autorité sur l'homme, mais la femme peut enseigner les enfants à la maison. Ça, c'est différent. L'homme connaît la parole, la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur lui. Mais si l'homme est non-croyant, ça, c'est différent. Donc, quand vous êtes réunis dans la famille et que tout le monde connaît la parole, la femme doit se taire. C'est l'homme qui doit diriger toujours. C'est l'homme qui enseigne. C'est l'homme qui parle de la part de Dieu. Je prends un peu mon exemple avec mon époux. Parce qu'on partage souvent, quand on lit le soir, quand on veut prier, si aujourd'hui, moi, j'ai pris un verset et qu'on a lu, j'essaie de méditer qu'on essaie de discuter, d'analyser de tout ça là. Et le lendemain, c'est son tour. Mm-hmm.
Donc, c'est dans ce sens-là que je demandais, parce que nous, il n'est pas encore fort pour pouvoir prendre, enseigner complètement. Donc, on s'échange les idées. Très bien, ah, voilà. Donc, Maman Bevo, ça, ce n'est pas l'enseignement. C'est okay. Une exhortation. Oui. C'est différent. Une exhortation. La Bible dit que exhortez-vous les uns les autres. Ça, c'est une exhortation. Ce n'est pas mauvais. Okay. La femme peut exhorter un homme et vice-versa. C'est différent. L'enseignement, c'est autre chose. Oui. L'exhortation aussi, on est une autre. Dans la maison, la femme peut exhorter son mari. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais l'enseignement signifie poser les fondements de l'évangile. Aussi longtemps qu'il lui aussi les chrétiens et les enfants sont des chrétiens, tous marchent dans la sanctification. Ça, c'est différent. Ok, c'est... merci. Merci. Merci beaucoup. La sœur Claudia. Le frère Guy. Oui, merci ma sœur. Je reviens à la question du frère Victor également, s'il te plaît. Mon frère Mando, c'est que j'ai déjà eu une discussion avec une sœur en crise et là-dessus. Et sur l'autorité de la femme et dans les assemblées. Et je lui ai sorti comme verset et que l'apôtre Paul avait donné dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, auquel il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Et elle m'a répondu un autre verset par un autre verset dans Galates chapitre 3 au verset 28. Donc, il est écrit, je lis, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, elle m'a dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, que maintenant, la femme peut prendre l'autorité sur l'homme, elle a le droit d'avoir un ministère d'enseignement dans une église. Merci. Merci, mon frère. J'espère que j'ai déjà un enseignement sur ça, sur ce partage-là. Je vais en parler, ça va nous aider. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas des choses de Dieu là-bas. L'apôtre Paul est en train de parler par rapport à la situation du pays d'Israël, du peuple d'Israël. En Israël, à leur époque, il y avait les juifs, les grecs, les libres, les esclaves, les hommes par les femmes de l'autre côté. Ça, c'était alors les lois d'Israël qui séparaient les peuples. On peut même prendre l'exemple de Jésus quand il est parti dans la Samarie. Il est parti parler avec cette femme-là. La femme l'a dit, oh, mais comment est-ce que toi qui es juif, tu demandes à moi? Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Les Juifs et les Grecs n'étaient pas ensemble. Alors, l'apôtre Paul ici, il veut confirmer qu'une fois que nous recevons le Seigneur Jésus, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves. C'est par rapport à la vie qu'ils avaient auparavant. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça, ce n'est pas un sujet qui a à voir avec le ministère. C'est un sujet qui a à voir avec les conditions du pays d'Israël. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à là. Donc, je vais donner un enseignement et on va comprendre. Parce que si nous disons que dans le ministère de la parole, les femmes aussi peuvent être là, mais on va se demander pourquoi Jésus n'a pas pris des femmes alors que dans leur époque, il y avait des femmes. Pourquoi Jésus n'a pas pris des femmes? Et en plus, quand Jésus a dit à Marie de Magdala, « Va dire à mes frères, il n'a pas dit « va enseigner », non. Il n'a pas dit « va enseigner », mes frères. Il dit « va dire à mes frères ». C'est différent quand Jésus dit à ses apôtres « allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Ça, c'est différent. La femme là-bas, quand Marie de Magdala est partie dire à l'autre là, aux disciples, est-ce que Marie de Magdala était partie là-bas leur enseigner la parole de Dieu? Mais non. Elle est partie dire que je me suis vu avec le Seigneur. Maintenant, quand Judas meurt, pourquoi on n'a pas pris Marie de Magdala pour le remplacer à la place de Judas? On a encore cherché, en fait,
un autre frère. Puis l'histoire est tombée sur Matthias. C'est Matthias qui est devenu apôtre. Pourquoi Marie de Magdala n'est pas remplacée? Parce que cela n'est pas donné aux femmes. Donc, quand la Bible dit qu'il n'y a ni juif ni grec, ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça, c'est par rapport au salut. C'est par rapport au salut. Tous les hommes et toutes les femmes peuvent recevoir le Saint-Esprit pour le salut. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça, c'est notre cas. Ça, c'est notre contexte qui n'a rien à voir avec le ministère. Merci, mon frère. Mais je vais en parler dans une vidéo. Je vais faire une vidéo et je vais en parler. Merci, mon frère. Merci, frère. La sœur Claudia. Oui, frère Armando, il y a une sœur, la sœur Élodie, qui a posé la question. Elle dit, est-ce qu'on peut hériter le royaume des cieux si on n'a pas reçu le baptême d'eau, mais juste avec la sanctification? Bon, premièrement, il faut savoir que ce n'est pas le baptême d'eau qui nous amène au paradis. Ça va, non? Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous amène au paradis. Ce qui nous amène au paradis, c'est la vie de sanctification. C'est clair, non? C'est la vie de sanctification qui nous amène au paradis. Parce que si c'était le baptême d'eau qui amenait les gens au paradis, mais sinon, tous les dérapages que nous voyons dans l'Église n'allaient pas avoir lieu. Parce que la majorité des prophètes, pasteurs et les autres là qui sont dans les dérapages, ce sont des gens baptisés. D'ailleurs, c'est eux qui baptisent même les gens. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau. Mène la vie de sanctification, ma sœur, tu vas hériter le royaume de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Notre bien-aimé Oli. Oui, bonsoir à tous. C'est la soeur Matt. Ok. S'il vous plaît, frère Mandou, moi je voudrais savoir, on n'a pas besoin d'aller pour hériter le royaume des cieux. Excusez-moi pour le bruit, je ne suis pas à la maison. Pour hériter le royaume des cieux, on n'a pas besoin forcément de recevoir le baptême d'eau. Mais ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage, cela veut dire qu'eux aussi, quel est leur sort, quoi, au jour de l'enlèvement? Dans ce cas-là. Ma sœur, en fait, ma sœur... Marthe, en fait, bon, ça c'est connu. Ceux qui vivent dans les concubinages sont dans l'impudicité. Ça c'est clair, non? À moins que le concubinage, il se retire. Ils sont en séparation. Mais si vous vivez en concubinage et vous passez l'acte sexuel, vous êtes dans l'impudicité. Ça, c'est clair. Non? Ça, au moins, tout le monde nous savons, non? Au moins, est-ce qu'il y a des gens qui vont contredire cela? Vous vivez dans le concubinage et vous passez l'acte sexuel, vous êtes dans l'impudicité. Maintenant, si vous mourrez dans l'impudicité, tu iras où? Toi qui meurs dans l'impudicité, tu iras où? Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas mariés n'iront pas au ciel. Bon. Ma sœur Marc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour aller au ciel, il faut avoir quoi? Il faut être qui? Hein, ma sœur? Pour aller au ciel, il faut mener la vie de sanctification. Voilà. Oui. Maintenant, quelqu'un qui vit dans le concubinage et fait des rapports sexuels sans mariage, est-ce qu'il est dans la sanctification? Même pas, non? Non, il n'est pas dans la sanctification. Hein, ma sœur? Ok, oui, je vois. La sœur Claudia. La sœur Nathalie. Bonsoir, frère Armando. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Soyez bénis. Frère Armando, moi, je voulais vous dire, dans la conclusion de tout ce qui a été dit par rapport à l'enseignement de ce soir, je crois qu'il est bien écrit que le peuple périt par manque de connaissances et effectivement qu'il y a des loups dans la bergerie qui fait que par tout vent de doctrine et par tout et du n'importe quoi, il y a des pasteurs qui sont déguisés et il y a aussi ces pasteurs-là qui font que leurs femmes, des fois, deviennent des pasteurs, qui font des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Ils conduisent carrément le peuple dans le mauvais chemin. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens que
quand ils écoutent par rapport à la vérité, qui sont, moi je dirais peut-être qu'ils sont perdus, ou bien des fois quand on va venir leur dire la vérité, qu'ils en veulent quelquefois, est-ce que c'est de l'orgueil qu'ils ont, ou bien c'est simplement parce qu'ils sont complètement ignorants, parce qu'on leur a mal enseigné simplement. C'est ce que je voulais juste vous dire. Voilà, merci de votre réponse. Bon, soyez bénis. Merci. Bon, j'espère que la Bible le dit dans Osée. Dans Osée, on n'a pas dit que mon peuple périt par manque d'orgueil. Voilà, donc, manque de connaissance. Voilà, très bien. Donc, c'est la connaissance. Oui. C'est la connaissance, Marcel. Oui. C'est le manque de la connaissance qui leur fait ça. Mais nous comprenons que l'apôtre Paul nous dit que quand le voile est ôté, voilà. Donc nous comprenons que c'est le voile. Voilà, c'est tout à fait. Dans l'ignorance, il a un voile. Il faut l'ôter le voile afin de voir clair. Voilà. Je voulais aussi vous demander, qu'est-ce qui fait que quand, par exemple, ces pasteurs, un chrétien qui va dire à un pasteur, bon, vous vous trompez, et qu'il se fâche. C'est l'orgueil. Ou bien des fois, il sonne aussi aux chrétiens de sortir de son église, parce que si on refuse la dîme, si on refuse de leur donner la dîme, si on refuse de se comporter avec les enseignements qui sont contrairement à ce que nous entendons avec le groupe GEC, et ainsi que ce que vous dites, ainsi que Frère William, vous nous avez expliqué beaucoup de choses, et souvent, quand on les confronte à la vérité, ou bien même ceux qui pratiquent encore tout ce qui est dans la loi mosaïque, souvent, c'est comme s'il y a la division quoi, avec ces gens-là. Voilà. Ma sœur, Premier ministre, est-ce que tu peux lire ce verset-ci? Pour nous, cela ne nous surprend pas parce que la Bible le dit, 2 Thessaloniciens 2:11. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 2 Thessaloniciens 2:11. 2 Thessaloniciens 2:11. On dit quoi? Le 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Ouais. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà, c'est ça. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc c'est toute une puissance. Il mérite alors une délivrance. Quand une personne refuse la vérité et accepte le mensonge, il y a une puissance d'égarement qui est là. D'accord. OK. Merci beaucoup. Soyez bénis. La sœur Claudia. Il n'y a plus de questions, Frère Amando. Voilà. Merci, mes bien-aimés. Nous allons nous arrêter par ici. J'espère que, comme nous disons toujours d'habitude, que... s'il y a des questions supplémentaires, nous sommes ici pour nous les envoyer. On peut les analyser petit à petit. S'il y a aussi des sujets de prière, vraiment contacter les intercesseurs. Voilà, merci mes frères. Nous allons prier pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Garde, protège tes enfants, partout où nous pouvons être. Et toi, ta main puissante sur nous, Père. Ton puissant, nous avons su prier et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir le week-end prochain. Ciao. Merci, frère. Bienvenue. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Frère Amando.